Les sœurs de la béatitude n'ont jamais disparu. Ça fait un petit moment qu'on chatouille Cohen et puis Pascal est passé à la maison, il a dit mais si on faisait tout un spectacle sur Cohen par exemple, et si on faisait ça avec Nicolas Jules ? Ce serait bien qu'il y ait deux voix, deux guitares, qu'on puisse multiplier les versions françaises, anglaises. Pourquoi Leonard Cohen ? Parce qu'il est, je crois que c'est parce qu'il est présent dans nos vies depuis très longtemps, que sa mort nous a peinés énormément et qu'il laisse un grand vide. En fait, Leonard Cohen est mort plusieurs fois, c'est ça l'avantage. C'est l'ultime cow-boy, quoi. J'ai été foudroyé par ses textes aussi. C'est drôle, et je savais pas qu'il était très drôle. C'est le maître de l'ambiguïté. Et déjà par ta famille, son âme blessée par tes soins. Éric Larel, chant, harmonica, auteur, mais chanteur surtout. Oui. Nicolas Jules, que je vois traîner dans les salles de concert quand je joue, et qui à chaque fois me dit que je suis le meilleur chanteur de France. Ça crée des liens, quoi. Pascal, on fréquentait le même bar, on se parlait jamais. Je pense qu'on avait envie un jour de jouer ensemble. Oui. Voilà. Chacun est dans sa chambre. Nicolas et moi, on fait pas mal de traductions. Pascal fabrique des ambiances ou des bandes son. Et puis on se retrouve là au milieu et on mélange. Et sans coup fait rire, on peut dire ça. À chaque fois, c'est un succès. C'est de la création par le tas. On fait un tas. On va, je pense, naturellement trouver une ligne narrative ou un angle qui nous sera propre, quoi. Dans les matériaux dont on dispose, il y a deux volumes à peu près l'intégralité de son œuvre. Et ce qui est intéressant dans ces deux bouquins, c'est que la traduction française est littérale, c'est-à-dire elle n'est pas calée, il n'y a pas de rime. Donc tout le reste du boulot, l'interprétation, la façon de le rendre chantable, comme disait Nicolas tout à l'heure, tout ça, ça nous incombe et c'est à partir de là qu'on travaille. Puis surtout, quand on traduit ces textes, quand on s'y intéresse de près, on finit par avoir envie d'écrire, quoi. Et je pense qu'il va y avoir aussi cette partie-là d'une écriture originale qui va découler de son écriture à lui. Quand on lit une chanson de Cohen, on peut la trouver simple, mais on peut aussi soupçonner qu'il y a deux ou trois sens derrière, parce que c'est comme ça qu'il écrit, quoi. Surpris, tu es leur clan, tu es de leur avis. Never mind. On a deux chansons là qu'on va certainement garder, qui sont issues d'un album de Leonard Cohen qui s'appelle Death of a Ladies Man, qui a été enregistré par Phil Spector et dont les sessions de studio ont été absolument dingues, quoi, violentes, ahurissantes, armées, parce que Phil Spector était souvent armé. On ne sait pas encore où on va, mais ils ont une confiance tous les deux. Les idées vont venir, quoi. La dramaturgie, je ne sais pas si on peut employer ce mot, va venir. Love, 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 lovers come back.